Bienvenue sur Cook. Aujourd'hui, on va faire un gratin de chou-fleur. Et pas n'importe quel gratin de chou-fleur, mon gratin de chou-fleur. Celui qui est le meilleur in the world. C'est parti. Je prends mon chou-fleur, je vais enlever le cul et je vais couper tous mes petits sommités. Et ben ensuite, les petits choux, et ben on va les cuire. Et on va les cuire dans quoi? Dans le lait. Et dans le lait que justement après, on va se servir pour faire la béchamel. Il y en a là-dedans. Une fois que le lait est chaud, je mets les choux-fleurs dedans. Délicatement. Et là, je laisse cuire un petit peu de fleur de sel dedans. Et moi, je vais enlever mes choux quand ils seront encore un tout petit peu, encore un peu croquants. C'est comme ça que je les aime. Je vais faire le roux. Alors, je vais mettre le beurre à chauffer. Une fois que le beurre est fondu, j'ajoute la farine et je laisse cuire pendant 2 minutes. Et je mélange. Les choux sont cuits, je les débarrasse dans mon plat à gratin. Et maintenant, je vais m'occuper de la béchamel. Pour la béchamel, et bien justement, je vais garder le jus de cuisson avec le lait pour m'en servir pour la béchamel. Alors, je transvase. Et là, je fais ma béchamel avec le roux. La béchamel est cuite. Maintenant, vous salez et vous poivrez. Et faites attention pour le sel, parce que vous avez salé le lait en début de cuisson. Moi, je ne mets rien dans mon gratin, mais si vous voulez, vous pouvez mettre du jambon, un peu ce que vous voulez, en fait. Allez, ça part. Et là, il manque quoi? Le gruyère râpé ou le comté râpé? Et ben moi, ça sera du comté râpé, les petits potes. Et là, ça part au four en mode grill. Histoire que ça grille bien, que ça soit bien gratiné, que ça soit bellissime. Voilà. Je le retire bien quand c'est bien coloré. Bien gratiné. Écoutez-moi ce petit bruit là. Oh, viens là, viens là, viens là. Si je pouvais avoir ça comme berceuse tous les soirs dans mon lit, ça serait parfait. Je vous dis à très bientôt sur YouCook. N'oubliez pas d'aller regarder la fiche recette sur le site. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Gros bisous. Retrouvez toutes nos recettes sur youcookcuisine.com. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, lâche un petit pouce bleu, partage. Allez, je te dis à très bientôt. Gros bisous, ciao !